Salut les touristes, donc on est dimanche 6 mai, on part lundi, donc demain après mon boulot, sûrement début d'après-midi. J'ai mille et une choses à faire, ça a énormément poussé la végétation, je sais pas si vous le voyez derrière, mais c'est la jungle et c'est chez mon voisin et c'est moi qui entretiens et là je suis carrément à la bourre. J'ai quelqu'un qui vient voir la 125 qui normalement est vendue tout à l'heure, donc il arrive dans une heure. Je vais essayer de débroussailler toute la partie là derrière moi parce qu'il y en a une autre aussi qui est de l'autre côté et qui est beaucoup plus grande. Et donc là, voilà, je vais débroussailler. J'utilise du fil carré, du gros fil carré. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour couper. Il est beaucoup plus résistant que le rond. Il a une meilleure accroche. Donc voilà, donc on va essayer de se dépêcher. Je vais essayer de débroussailler une grande partie ce matin, m'arrêter vers 10h30. Il est bientôt 10h, je vais essayer de faire ça en une demi-heure, c'est largement faisable. Hop. Et puis après j'ai plein d'eau à faire du camping-car. Tout vérifier. Et puis j'ai peut-être encore une couche de peinture à mettre aussi sur le toit en étanchéité. J'avais déjà passé la première couche mais... avec la météo, j'ai pas réussi à passer la deuxième couche. Ça c'est bon. Hop. Démarre au quart de tour, ça c'est bien.
Donc voilà, c'est débroussaillé, hop, comme vous pouvez le voir. Alors en même temps, je teste mon stabilisateur d'image. Donc maintenant, il me reste à ramener la 125 devant la maison, lui passer un petit coup de chiffon et voilà, et attendre peut-être le futur propriétaire de la 125. Donc il arrive du Morbihan, alors je comprends pas, hein, parce que Morbihan quand même, c'est pas la porte à côté. Et donc, hop, et donc il fait la route, voilà, je sais pas, j'ai même pas regardé s'il y avait pas des 125 là-bas à vendre. Alors je me méfie un peu quand ils viennent de trop loin, on sait jamais. Voilà, je vais pas passer mon temps à l'attendre non plus. Quoi qu'il en soit, je la ramène devant, ça me coûte rien, ça va me prendre 2 minutes. Et puis voilà, c'est tout. Je réfléchis, mais j'en suis... Voilà, j'ai réussi à débroussailler un petit peu plus que ce que j'avais prévu. Il est 10h30 un peu passé, j'ai ça à faire. Et puis après, peut-être une bonne douche et puis on va attaquer le camping-car. Donc voilà, je suis en train de faire le plein d'eau, de vérifier un petit peu tout sur point de vue mécanique. Et d'ailleurs, je fais bien parce que j'ai oublié de remettre encore la roue de secours, je l'avais déposée. Je viens de faire le niveau d'huile, le garage m'a mis un petit peu trop d'huile. Alors surtout, il faut faire attention sur les véhicules turbo-diesel, de pas mettre trop d'huile. Vous pouvez avoir le moteur qui s'emballe. Donc voilà, c'est légèrement au-dessus du maxi, donc ça va. Sinon, j'ai vérifié tous mes liquides, tout est bon. Là, je suis en train de faire le plein d'eau. C'est en train de fuir un petit peu, mais c'est pas bien grave. C'est la lance qui a pris le gel et le joint qui a craqué. Hop. Et donc là, c'est en train de remplir la réserve ici et les deux qui sont sous les sièges. Dis bonjour. Bonjour. Et donc les réservoirs d'eau qui sont sous les sièges, hop, un ici et l'autre de l'autre côté. Ah, tu m'ouvres s'il te plaît. Ouvre. Ouvre. Non, tu tires la poignée là. Mais non, en bas. En bas. Ah, je vous jure. Mais non, tire la poignée pour ouvrir la porte. Oui. Bah tire là justement, ça va s'ouvrir. Voilà. Et donc, hop, l'autre réservoir qui est sous ce siège là. Et d'ailleurs... Chose que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Hop, je vais le descendre un petit peu. Voilà, va dans l'autre sens. Voilà, ma vanne de Truma que je cherchais et que j'ai pas trouvé. Et voilà. Et la vanne aussi pour vidanger les réservoirs d'eau. Donc, je pouvais chercher longtemps après. Et je sais pas pourquoi, je l'ai même pas vu quand j'ai fait mes tapis ici, quand j'ai mis mes tapis, je l'ai pas vu, je sais pas. Des fois, je cherche pas à comprendre, je sais pas pourquoi. Attention à la tête. Hop, on remonte, et voilà. Bon ben voilà, ça se prépare, et du coup, normalement, on devait aller en Espagne. Voilà, on va peut-être aller en Belgique du coup. Parce qu'ils annoncent de la pluie dans le sud, ils annoncent un peu plus chaud que dans le nord, mais plus de pluie. Donc du coup, on va sûrement aller jusqu'en Belgique et redescendre toute la côte et faire un arrêt par la côte d'Opale. Et donc là, voilà ce dans quoi j'ai investi, donc un stabilisateur d'image. Donc voilà, j'espère qu'on va passer à une qualité supérieure. Et aussi un micro avec pas mal de câbles et j'ai encore une rallonge, alors je sais plus si c'est 5 ou 10 mètres aussi que j'avais acheté en rallonge.
Donc voilà, donc la vidéo d'avant, j'avais cet appareillage afin de voilà d'améliorer la qualité de mes vidéos. Donc voilà pour cette vidéo, je viens de refaire la pression des pneus, donc n'oubliez pas, hein, souvent c'est indiqué dans la portière. Donc là, j'ai pas mis le stabilisateur ni le micro, 4 barres à l'avant et 4 barres 5 à l'arrière. Et surtout, faut pas oublier la roue de secours. Donc voilà, maintenant tout est prêt à partir, je vais vous faire la vidéo sur, sur nos vacances, c'est la prochaine vidéo qui va venir. Je vous dis à bientôt, et comme d'habitude, abonnez-vous et likez la vidéo, et voilà, ça aide pas mal la chaîne, et surtout en ce moment, les chiffres sont excellents, et je vous remercie tous et toutes. À bientôt.